لقاؤنا اليوم سيكون مع حسين بنوي، شاب فرنسي من أصول جزائرية حل في ضيافة المغرب للمشاركة في التظاهرة الرياضية دايمن فايت وورتور صنف الملاكمة التايلاندية. سنترككم للتعرف أكثر عليه رفقة منظم التظاهرة السيد علي وجني. Je me présente, je m'appelle Hassine Benoui, je vis en France et je suis originaire d'Algérie. Je pratique un sport qui est la boxe thaïlandaise depuis donc que je suis tout petit. Bah, j'ai commencé à l'âge de 10 ans chez Nasser Kassem qui est mon entraîneur. Et c'est mon grand frère qui a commencé avant moi qui m'a amené. Et après, alhamdoulilah, avec le temps, je me suis habitué, j'ai commencé à évoluer. Et aujourd'hui, alhamdoulilah, je continue à boxer pour Nasser et je continue la boxe. Mon séjour au Maroc se passe très bien. On est arrivé hier soir, on s'est pesé, on a bien mangé. Et puis voilà, ce matin, on s'est un petit peu promené. On a mangé et puis là, on va aller se reposer dans notre chambre en attendant le combat. Alhamdoulilah, ça va. Ça va être un grand moment, Inch'Allah, parce que c'est un moment que j'attends depuis longtemps et je me suis entraîné pour. Et Inch'Allah, j'essaierai de donner le meilleur de moi-même, de satisfaire tout le monde, que tout le monde passe un bon moment et de faire un grand match, Inch'Allah, et gagner. Le sport m'a apporté beaucoup de choses sur le plan professionnel et mental, puisque ça m'a apporté de la rigueur, du calme et une bonne hygiène de vie. Donc en mangeant bien, en dormant beaucoup. Mes parents et mon grand frère m'ont motivé à percer dans la boxe et à m'entraîner longtemps, sérieusement, et boxer. Donc, au niveau des combats que j'ai réalisés, j'ai pu affronter des adversaires de toute origine, que ce soit des Thaïlandais, des Français, des Algériens, des Hollandais, des Hollandais marocains. Donc c'est assez varié, c'est un sport qui réunit beaucoup de nations aujourd'hui. Et c'est bien que ça se développe aussi au Maroc, je suis content pour eux. La culture algérienne m'a apporté beaucoup de choses sur le plan mental parce que c'est une culture qui est particulière. Ça m'a beaucoup apporté dans le sens où il ne faut pas lâcher le morceau et ça c'est important pour moi. Après, la culture française c'est une culture qui est encore différente et puis qu'on a connue depuis tout petit puisqu'on est né en France. Et c'est vrai que bon, voilà, c'est différent, mais bon, des difficultés on en rencontre tous les jours et alhamdoulilah, ne serait-ce que par nos cultures et notre religion, on essaye de faire face et de surmonter toutes les difficultés qu'on rencontre. Je pense qu'organiser un gala au Maroc, c'est une très bonne initiative parce que c'est un sport qui doit se démocratiser, c'est un sport qui doit se développer. Et passer par le Maghreb, c'est une étape incontournable dans l'histoire de ce sport. Moi, je connais peu de choses du Maroc d'aujourd'hui, je me suis pas. Je sais qu'en ce moment c'est les élections. Donc, et puis en termes de politique, etc., si aujourd'hui il y a une situation stable, c'est que le gouvernement va bien. Donc je pense que au Maroc ça va bien. Ouais. Je sais pas pourquoi est-ce que j'ai choisi ce sport, c'est ce sport qui m'a choisi. En France, c'est un sport qui avait une mauvaise réputation, qui commence à avoir une bonne réputation. Grâce justement à des soirées comme celle que Aliou Agani organise, parce que c'est des soirées qui sont assez luxueuses et ça change un petit peu des gymnases isolés dans les quartiers, etc. Ou bien au contraire, Ali a organisé dans des soirées dans des grands endroits parisiens, même d'autres endroits encore à travers la France et également au Maroc. Et c'est justement ce qui permet de changer l'image notre sport et ce qui permet de nous donner de l'importance à nous aussi.
suis Monsieur Agony Ali. J'organise le Diamond Fight World Tour. À ce jour, je suis à ma 30e édition. Au préalable, j'avais fait d'autres concepts qui se surnommaient la nuit des super fights et le choc des box. Au jour d'aujourd'hui, j'ai constitué un nouveau concept qui est le Diamond Fight World Tour. C'est-à-dire que ce sont des soirées qui sont constituées de tables VIP dans des endroits cossus et toujours avec des championnats du monde réunifiés, c'est-à-dire la WFKB ou ACO Pro, en réunification de ceinture, comme en boxe anglaise à l'époque. Mes liens sont très chaleureux avec le Maroc au jour d'aujourd'hui. Déjà, premièrement, je suis d'origine algérienne, donc je ne vois pas... Je me sens plus à l'aise ici au Maroc que chez moi en France, en étant né en France. Donc l'accueil est très bien, je travaille très très bien avec la Fédération Royale Marocaine. C'est des gens très compétents et très assidus. Ils gèrent bien leurs dossiers, ils savent travailler, ils travaillent comme des professionnels. Donc à mon avis, moi ici, je me sens très bien. La preuve, j'ai calé quasiment 5 événements ici au Maroc. Voilà, le Diamond Fight World Tour, pour une fois dans son exploitation, va rester 5 fois sur un même territoire. Habituellement, on a l'habitude de tourner dans le monde. On avait commencé par les Champs-Élysées à Paris, on a fait à Dubaï, on était venu au Maroc et je me suis tellement plu ici au Maroc au niveau de la compétence de ces institutions. Et la preuve, votre chaîne nationale est intéressée par rapport à ce qu'on fait. Donc je me sens très très bien, oui. Ben, j'ai choisi le Maroc étant donné que bon, c'est déjà ils ont une institution fédérale, la Fédération Royale Marocaine est très habilité à recevoir ce type d'événement, sachant qu'ils sont très très professionnels, ils sont en place depuis des années, ils assistent à tous les colloques internationaux, ils ont des sportifs au niveau du pied-point et ils sont 40 000 adhérents. Cette fédération-là, elle est bien gérée par les frères Idali. Je pense que c'est une fédération qui tient la route, qui est bien tenue. Les infrastructures sont là au Maroc, les gens sont conviviaux. Et je pense que c'est un endroit idéal pour organiser ce type d'événement, le Diamond Fight World Tour. Je ne pense pas, ils n'ont pas à blêmir par rapport ou à pâlir devant d'autres pays dans le monde pour pouvoir organiser ce type de soirée. Voilà. Bah écoutez, c'est un combat déjà de très très haut niveau, parce qu'on a affaire à deux très 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 bons boxeurs. Si on leur a donné la chance de pouvoir être unifiés ce soir sur une double ceinture mondiale, c'est-à-dire la WACO Pro WFKB, c'est très honorifique bien sûr pour eux, mais ils n'ont pas été triés comme ça à la sauvette. Hein. Donc c'est deux vrais challengers officiels de cette catégorie. Je pense que ça va être un combat qui n'ira pas à la limite, parce qu'on a affaire à deux punchers et à deux guerriers. L'Algérien que je connais très bien, qui est mon boxeur, qui est Ossine Benouni, qui est un très 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 bon boxeur et qui est très vaillant et solide, dur au mal et assez puncher. Et le petit Izredi que j'ai fait déjà boxer à Marrakech, déjà, qui nous a battu un très grand champion de chez nous, Farid Kider, est une valeur sûre, une valeur montante. Donc je pense que ça va faire un très gros combat. Je serais très intéressé pour m'investir au Maroc pour essayer de faire une soirée d'État. Une soirée d'État qui est pour moi une soirée officialisée, Algérie-Maroc comme je fais ce soir, mais à petite échelle, même si c'est un championnat du monde, c'est que 4 combats, mais essayer de faire une soirée Algérie-Maroc avec un retour Maroc-Algérie pour une vraie soirée de boxe avec à la clé quelques titres mondiaux. Oui, déjà pour faire un rapprochement entre les peuples, ça fait de certains, et le sport, je pense que c'est la meilleure des choses où on peut développer cette fraternité et ce développement sportif. Le Maroc au jour d'aujourd'hui, je ne vais pas rentrer dans le système de la politique, mais je pense au jour d'aujourd'hui, le roi Mohamed VI a fait vraiment évoluer son pays dans le bon sens. Je vois un développement au niveau des infrastructures qui est équivalent à l'Europe. Donc je vois un peu la libéralisation par rapport à tous les citoyens. À mon avis, ils sont partis dans le bon sens. Et Inch'Allah, que tout finisse très très bien par rapport à ce pays et qu'on ne rencontre pas les événements qu'on a connus dans d'autres pays et tout ça. Voilà.
pense que dans le futur, on aura, j'espère en tout cas qu'on aura marqué, on aura marqué l'histoire avec notre parcours, à moi et ma team. Et j'espère, bah, je pense que dans le futur, ça sera encore plus, un sujet d'actualité. Et malheureusement, je pense qu'à ce moment-là, on aura pris notre retraite et puis on sera pas dans les meilleurs moments de la boxe. C'est malheureux, mais bon, c'est comme ça. Bah, je donne un conseil à tous les jeunes, je me permets de donner un conseil à tous les jeunes pratiquants ou non pratiquants de la boxe. C'est très important de faire du sport, d'avoir une bonne hygiène de vie, d'être bon à l'école et d'écouter ses parents. C'est vraiment les conseils que je donne. Merci à mon entraîneur Nasser Kassem et à toute ma team, à Vrung, qui est une marque qui nous sponsorise, et à Ali Wagani qui nous fait le plaisir d'organiser et de nous inviter dans ses soirées.